Bienvenue à notre pavillon excentricité de la Cité. Nous sommes ravis de vous accueillir des quatre coins de l'Ontario dans notre pavillon de technologie immersive pour cette expérience hors de l'ordinaire, la présentation d'une œuvre unique créée pour nous par un artiste dont la réputation n'est plus à faire. Les magnifiques illustrations que vous verrez sont de Christian Kennel. Nous sommes très fiers de cet ancien du Collège La Cité qui a fait partie des étudiants fondateurs du premier collège francophone en Ontario en 1990. Christian Kennel est un artiste reconnu qui a œuvré dans plusieurs pays européens, au Liban et aux États-Unis. Grâce à son immense talent, dès sa sortie du collège, il a contribué à faire rayonner la communauté franco-ontarienne à la FESFO, aux Jeux franco-ontariens, à Théâtre Action et aux éditions L'Interligne, Revue culturelle Liaison. Christian a aussi fait paraître « Vous avez détruit la beauté du monde », une bande dessinée scientifique très remarquée, créée en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa. Et maintenant, son œuvre « Passerelle », nous vous la présentons en images et en musique dans un univers virtuel. Vous serez transportés dans les 400 ans d'éducation en Ontario français, nous rappelant les mille et une raisons qui nous rendent fiers d'être franco-ontariennes et franco-ontariens. Et maintenant, place au spectacle! Thank you.
Wow! Quelle magnifique œuvre qui nous rappelle, qui nous fait voir les 400 ans d'éducation en Ontario français. Et il y a de ces 400 ans, 30 ans, la cité naissait et faisait partie de l'histoire de l'éducation en Ontario français. Alors, Christian, toi qui as fait partie de la première cohorte de la cité lors de sa création, qui aujourd'hui nous offre cette œuvre magnifique, qu'est-ce qui a été ton inspiration dans ça? En fait, cette œuvre-là m'a été inspirée suite à une conversation qu'on a eue, toi et moi. Puis, c'est vraiment pour souligner les 30 ans, justement, de la Cité collégiale. Mais qu'est-ce qui a conduit à l'avènement de la Cité collégiale, à la fondation de la Cité collégiale? Pour moi, en tant qu'étudiant fondateur de la Cité collégiale, je trouvais ça important de tout raconter le cheminement depuis le début de la colonie, depuis le début de la Nouvelle-France, pour amener les gens vers ce qui a conduit à la Cité collégiale. Puis aussi, on commence avec Marie Rollet qui arrive au 17e siècle. Puis par la suite, on finit avec une étudiante africaine qui arrive encore aujourd'hui. Les gens arrivent pour contribuer à l'éducation en Ontario français. Donc, je trouvais ça intéressant d'illustrer cette passerelle-là. Mm-hmm. Mais on a travaillé avec Stéphane Lamardelais au niveau du découpage graphique, au niveau du storyboard, qui est un spécialiste dans le domaine, pour vraiment faire les mouvements de caméra. Parce que moi, comme auteur de bande dessinée, je ne suis pas familier avec les mouvements de caméra. Puis, j'ai travaillé aussi avec Alexandre Berthier, avec qui j'avais déjà travaillé sur un projet qui s'appelle Félix Leclerc. Puis, j'avais adoré travailler avec lui. Donc, j'ai carrément demandé s'il voulait retravailler avec moi pour créer une nouvelle vidéo sur ces 400 ans-là d'histoire. Donc, Alex a dit oui tout de suite. Hein? J'ai accepté tout de suite parce que, d'une part, j'ai adoré travailler sur Félix. Puis, j'aime beaucoup l'univers visuel de Christian. Et puis, c'est parce qu'on s'entend bien aussi, quand même. Hein? Ça a joué pas mal. Mais donc voilà, mon défi, c'est ça, c'est de partir d'éléments figés, fixes, des dessins. Il les a dessinés séparément, ça c'était très important parce que pour pouvoir après les animer. Et puis c'est de mettre tout ça en mouvement dans un écran 360 degrés, ce que je n'avais encore jamais fait. Puis mon grand plaisir là-dedans, c'est de rajouter des éléments de vidéo justement pour rendre le dessin plus vivant. Donc voilà, c'était encore un grand plaisir à faire. Il faut imaginer 8 écrans HD côte à côte qui, au final, comme un anneau de papier qu'on remet, qu'on recolle et qui forme la boucle. Donc c'était quand même un beau défi, mais je suis content de le voir aujourd'hui sur les écrans. Hein. Ça fait plaisir. Oui. Bien sûr, pour ajouter à tout ce visuel, je dois dire que la mélodie a bien capturé toute l'émotion qui se trouve derrière cette œuvre. Et pour ce faire, on a l'auteur-compositeur Brian Saint-Pierre qui a bien voulu participer, contribuer aussi au projet en créant à son tour l'œuvre musicale qui accompagne l'œuvre de la bande dessinée. Alors, toi, Brian, quelle a été toute l'imagination que tu as dû mettre dans cette œuvre-là musicale? Beaucoup de temps, puis beaucoup de regarder les images que Christian me donne, puis m'inspirer de ça. Puis il y a toujours un moment de doute à un moment donné, mais tantôt, là, quand j'ai écouté, là, hein, puis là, j'ai entendu la musique, puis avec les images qui bougent, tout ça, c'est venu me chercher. Je me suis dit, OK, mission accomplie. Je pense que je suis très heureux de ce que j'ai écrit. En regardant les images, des fois, c'est comme, qu'est-ce qui me vient en tête? Là, j'ai comme deux mélodies qu'on retrouve un peu, un thème A et un thème B. J'aime ça jouer avec des thèmes. Et comment je peux ce thème-là se transformer? Parce qu'au début, ça commence plus petit, je l'annonce, mais après ça, ça devient grandiose. Et là, ça se transforme dépendant des moments dans notre histoire qu'on a dû se battre, nous, en tant que franc-ontariens. Puis je dirais que la musique, ça reflète ça. Et à la fin, les nouveaux arrivants, on sent comme... On t'entend même des percussions en arrière. C'est comme, tiens, regarde, là, ça devient à la fin... Une célébration et une fierté de vivre la francité. Fait que moi, je suis très, très heureux. Puis merci à Christian, merci à Alex, Félix, d'avoir pensé à moi d'écrire la musique. C'est vraiment un honneur pour moi. Puis un privilège pour nous. Et je pense que ce que tu viens de nous partager vient mettre des mots sur tout ce qu'on a vécu en écoutant cette musique. Et je dois avouer que j'espère que chaque fois qu'on la regardera, on vibrera aussi fort qu'on vibre aujourd'hui. Bien, c'est un peu la tâche de la musique, c'est comme quand on regarde un film, c'est si ça te réussit à te faire vivre des émotions, ça veut dire que la musique colle. Si tu sors de là et tu n'as pas eu d'émotion, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Bien, on doit dire qu'on en a eu aujourd'hui. Merci.
Alors, et maintenant, je m'adresse à Félix, Félix Saint-Denis, qui est l'âme derrière l'écho d'un peuple et qui a fait plusieurs choses et beaucoup de réalisations qui ont contribué, je pense, à augmenter ou à donner ou à alimenter toute notre fierté d'être franco-ontarienne et franco-ontarien. Alors, toi, Félix, qui as participé au projet depuis le début, surtout pour tout le volet historique, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce projet-là? Bien, je dirais, Lise, au point de départ, pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est comme l'histoire d'une grosse famille, ce projet-là. De un, ma famille de créateurs, j'ai la chance, quand je travaille avec le FESFO, de travailler avec Christian puis mon père. On avait écrit le « Nous, ça, un fait historique ». C'était le premier livre illustré de l'histoire franco-ontarienne. Quand on a créé l'écho d'un peuple, mais mon grand chum, mon grand compagnon de création, qui est brillant, on travaille ensemble là, depuis une quinzaine d'années à créer plein de belles choses. C'est vraiment un gros coup de cœur. Mais même l'histoire, ça vient tellement me chercher, c'est tellement beau. Marie Rollet, si ce n'était pas d'elle, on ne serait pas ici aujourd'hui à se parler en français. C'est elle qui a sauvé la Nouvelle-France, la première pionnière canadienne. Mais il faut dire que Marie Rollet aussi, bien, c'est l'ancêtre de ma conjointe, Geneviève Étier. Puis Marie Rollet, elle a accueilli, comme on l'a vu dans l'histoire, dans la bande dessinée, elle a accueilli dans sa famille Madeleine Nicolet, la fille de Jean Nicolet, qui est la première métisse de l'Ontario qu'on connaît. Et c'est l'ancêtre de Lucie, qui est l'épouse de Briand. Fait que l'histoire est vraiment tricotée serrée. L'autre niveau que je dirais aussi, ça se termine évidemment avec des gens qui arrivent de 80 pays de la francophonie qui viennent étudier chez nous en Ontario, que ce soit la cité, ailleurs et tout ça. Ça vient me chercher parce que je me souviens quand je travaillais à la FESFO, le 27 novembre 1992, j'avais eu la chance à organiser avec un paquet de monde 9 manifestations simultanées. On voulait regagner un nouveau campus pour la cité collégiale. Et en même temps, bien, un réseau de collèges, il y a le Collège Boréal qui est là aussi aujourd'hui, qui complète dans le Nord et ailleurs. On vient de gagner notre Université de l'Ontario français, grande victoire, on l'a regagné. Ça vient me chercher énormément, d'autant plus qu'une génération plus tard, ma fille Annick, que c'était sa fête le 27 novembre 1992, elle avait 3 ans, mais aujourd'hui, 27 ans plus tard, elle travaille ici à la cité. Puis je suis devenu grand-papa, puis il y a ma fille Marie-Ève aussi, qui a grandi là-dedans. Fait que mes 2 petits-enfants, Olivier et Étienne aussi, ça fait partie d'une grande histoire. Quel beau cadeau, quel héritage pour toutes les écoles. Passerelle de notre grande histoire, mais la passerelle de ma vie de famille aussi. Bien, merci. Merci pour ça, Félix. Merci à vous, messieurs. Je dois dire que moi, qui est enseignante et qui a encore son cœur de pédagogue, je suis vraiment très heureuse que cette œuvre historique, en fait, qui présente l'histoire, les 400 ans d'éducation en Ontario français, sera présentée, offerte à tous les étudiants francophones de l'Ontario français. Et pour moi, je trouve que c'est un volet important de notre responsabilité. J'ai déjà entendu quelque part que non seulement on doit être de bons parents, de bons grands-parents, il faut aussi être de bons ancêtres. Alors, je pense qu'on vient de contribuer à laisser offrir un legs important à ceux qui nous suivront. Et maintenant, à vous qui nous regardez, je vous invite à faire une dernière tournée de notre magnifique pavillon Excentricité et de voir qui sont tous ces artistes et artisans qui ont contribué à cette magnifique œuvre qui demeurera avec nous encore longtemps. Et je vous souhaite à tous de développer, d'agrandir, de continuer d'être fiers d'être francophones, franco-ontariens et franco-ontariennes, parce que c'est pour ça qu'on est ici et qu'on veut continuer d'être avec vous pour l'avenir.